Ouais, tu le laisses, il est bon. En fil de fer. Là, je suis en train de faire une sorte de clôture. Mais cette clôture va se faire avec des fils de fer. Parce que ici, je parle un peu des frontières qui sont à la sculpture transparente, comme le fil de fer qui sont très fins. Mais quand même, on retrouve la forme de murs, de briques. Non, ici je suis en train de sculpter. Je sculpte, mais en même temps je suis en train de construire, comme je dirais fabriquer des briques. Mais cette fois-ci, ces briques sont en fil de fer. Et la manière dont je suis en train de sculpter, ça, c'est la même chose comme le briquetier font leurs briques. Mais cette fois-ci, moi, je suis en train de sculpter ces fils de fer comme le brique, comme ils font de briques. Comme ils construisent des briques. Mais cette fois-ci, c'est le fil de fer. Je le fais en forme de profil. Il y aura des profils qui vont s'ajuster, qui vont faire cette construction. Dans la construction de deux profils pour faire sortir une seule face. C'est à partir de ça où on aura le mur. Mais ces murs seront transparents. Comme j'ai dit, la frontière transparente. Donc on voit le mur qui sont transparents. Ces frontières, nous les créons. Pourquoi? On s'imagine que l'autre, il est interdit. L'autre n'a pas accès chez nous. Nous, on a notre pays, notre capitale, notre culture. Et du coup, les autres deviennent pour nous une sorte de frontière, une sorte de séparation. On se sépare entre nous. Comme si on construisait une sorte de mur. Ici, je fais appel à mes frères africains de ne pas voir les frontières superficielles, comme je dis, comme étant notre barrage, barrière. Je construis le mur. Mais cette fois-ci, ils sont transparents. Vous verrez la suite, comment est-ce que l'œuvre va finir. On aura une sorte de mur, mais on va trop parler. Mais là, sans mot de réalisation, c'est au cas où. Junior, pourquoi le projet Tango t'a donné cette inspiration de travailler sur les frontières? Ouais, merci. Le Tango comme projet, moi ça m'a... Sur le projet, je me suis plus focalisé aux frontières parce que le projet parle de notre ancien royaume Congo. Et dans ces projets, on s'y retrouve. On est quatre pays qui faisaient cet ancien royaume et nous nous retrouvons dans ces projets. Et pour moi, le fait de parler de frontières, c'est présent, c'est actuel, c'est contemporain. Entre nous, on n'a pas l'accès. Et ces projets, Tango, du coup, nous a ensemblés. Et moi, pour montrer, ou soit pour travailler, j'ai bien voulu montrer le projet de frontières. Parce que je trouve entre nous, on a une sorte de barrage, une sorte de freinage, je ne sais pas laquelle, ça peut être frontière culturelle, frontière langue, frontière étendue, superficie, mais moi, j'ai bien voulu parler des frontières. À la langue, on peut évoquer les frontières dans plusieurs formes, mais ici, je puisse
rester sur frontières, barrages, superficie, notre superficie. Notre superficie est comme ça. Déjà, ça montre qu'on a des frontières qui nous séparent. Notre territorial, l'identité territoriale. Ouais. Moi, c'est ce regroupement entre nous et de parler de frontières qui est visible. Mais moi, je le parle en mode invisible, où je vois que malgré tout ce qui est comme péage, barrage, frontières pour ne pas aller simplement chez les autres facilement, parce que quand il y a des frontières, ce n'est plus facile d'aller. Donc on peut vous demander de passeport, tout ça, un visa. Je trouve que c'est toujours dans des frontières, toutes ces choses-là. Mais en l'ancien royaume, entre nous, on n'avait pas de frontières. On était comme ça, l'Angola. On entrait, on sortait, mais après tout ça, on a eu. Donc ça nous a désintégrés en fait. On n'était pas nourri à être comme ça, ou soit né à avoir cette séparation directe comme ça, qui nous a imposé des colons, surtout dans la conférence de Berlin. Là, vraiment, on a carrément séparé l'Afrique. Et c'est là où moi je dis, on a érigé des frontières. Et moi, je parle de ça sous forme de frontières invisibles, cette sculpture. Donc, vous verrez la suite.